Et voilà. C'est donc parti pour ce photocall du film 3000 ans à t'attendre. De George Miller, qu'on voit donc à droite de l'écran. George Miller, 77 ans. Australien. Il accueille à sa droite donc Tilda Swinton. Et on voit également à gauche qui vient d'arriver Idris Elba. C'est une première fois à Cannes pour Idris Elba. C'est certainement un des acteurs anglais les plus intéressants de sa génération. Donc le film de George Miller est hors compétition. Il a déclaré qu'il avait tellement envie d'être sélectionné pour ce 75e Festival de Cannes que hors compétition lui allait très bien. On voit le reste du casting. Douglas Mitchell, le producteur, à la droite de Tilda Swinton. Et également Augusta Corr, la co-scénariste. Tilda Swinton, donc une habituée de la croisette. Elle était déjà en 2004 membre du jury aux côtés de Tarantino. Tarantino donc qui était président en 2004. Ils avaient remis la Palme d'Or à Michael Moore pour son documentaire pardon, Fahrenheit 9/11. Voilà, on voit donc la co-scénariste. On revient sur Idris Elba. Idris Elba qu'on a découvert dans la série Événements générationnel The Wire. Il incarnait Stringer Bell, un des malfrats de Baltimore. Tilda Swinton, donc habituée au grand partenaire. Tilda Swinton qui était donc l'année dernière en présentation pour The French Dispatch de Wes Anderson, avec un casting incroyable. Timothée Chalamet, Guillaume Gallienne, Léa Seydoux, Benicio Del Toro, Bill Murray évidemment, acteur fétiche de Wes Anderson. Tilda Swinton qui était également donc dans le film Memoria. Idris Elba, donc, sur qui a circulé une rumeur, qui circule d'ailleurs toujours, comme quoi il pourrait incarner le prochain James Bond, suite à l'arrêt de Daniel Craig dans le costume de 007. Voilà George Miller, oh là là, en train de quitter le plateau, déjà un peu hué par les photographes qui voudraient le photographier davantage. Idris Elba, ah le revoilà, il est là. George Miller, qui est donc l'auteur de Mad Max, son premier long métrage, est également son premier grand triomphe, sorti en 1979. Le road movie apocalyptique et violent, avec Mel Gibson, qui lui a permis de faire une arrivée très très remarquée dans le monde du cinéma. En tout,
George Miller a réalisé 3 Mad Max avant de revenir avec Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road, un registre bien différent du film que George Miller présente aujourd'hui à Cannes. Un film tourné sous forme de conte avec Idris Elba qui incarne un génie, un djinn. D'ailleurs, l'histoire du film, ça parle de Alitea Bini, donc une femme donc satisfaite par la vie qui se trouve à Istanbul et qui rencontre un génie, un djinn, qui lui propose d'exaucer 3 vœux en échange de sa liberté. La jeune femme ne veut pas se laisser berner, elle sait qu'en général, ça se termine toujours mal, et pourtant, elle va écouter les récits du génie. « 3000 ans à t'attendre » donc, de George Miller, hors compétition, avec Idris Elba. Idris Elba qui est d'ailleurs est également musicien. On l'a entendu chanter aux côtés d'une superstar jamaïcaine, Sean Paul. Il a souvent animé quelques soirées d'ailleurs en tant que DJ, Idris Elba. Il doit donc se sentir comme à la maison au Festival de Cannes. Revoilà Tilda Swinton, évidemment à domicile. Vous entendez le photocall, les flashs crépitent, malgré le soleil éclatant qui règne sur la croisette aujourd'hui. Tilda Swinton d'ailleurs qui va bientôt tourner avec Pedro Almodovar. C'est une des actrices les plus éclectiques dans ses choix de réalisateur. À l'international, elle n'hésite pas à aller vers des rôles parfois impossibles. Elle se sent à l'aise dans tous les registres. Swinton, une des stars de Cannes. Voilà qui remercie les photographes. Allez, une dernière. Ah. Tilda Swinton qui joue le jeu une dernière fois. Avant de la voir donc avec Pedro Almodovar, on la retrouvera à nouveau avec Wes Anderson aux côtés de Bill Murray. Et revoilà donc la jeune fille et son génie, Idris Elba et Tilda Swinton. Le couple, le duo glamour de la croisette aujourd'hui. Après Marion Cotillard et Melvin Poupeau, on est gâté. Et voilà. Un peu plus de proximité. Les photographes ont gain de cause. Idris Elba et Tilda Swinton, la photo restera iconique. Regardez la
Idriss Elba qui a déjà joué avec Kate Winslet en 2017 dans La Montagne entre nous, qui fait partie également des grosses franchises comme Avengers ou Fast and Furious, The Suicide Squad également, la franchise Justice League, et qu'on retrouve donc cette année dans 3000 ans à t'attendre de Georges Milhaud. Voilà, l'équipe du film est en train de quitter la terrasse du photocall. Idriss Elba qui salue tout le monde, toujours très chaleureux, très généreux avec les autres équipes de films, les fans, le public. Très heureux d'être là, Idriss Elba, pour la première fois. Tilda Swinton également prend la pause. De toute façon, je pense que Tilda Swinton a des fans partout. On la voit, l'actrice, se déplacer vers la passerelle qui mène